Si c'est pas magnifique cette sortie, voilà, de l'Airbnb. Superbe. Salut à tous et bienvenue sur la trail de la Combe Bénite. Alors nous sommes à un petit village qui s'appelle Granier, qui est en face de la plaine, de la 6000D. Donc c'est beaucoup plus, ça va être une course beaucoup plus, on va dire, intimiste, parce que nous sommes que 80, je crois, il me semble, sur cette course, qui est un 30 km et 2300 de D+. Bon, là ce matin il fait pas très très chaud, hein, il fait 6 degrés, on est déjà à 1250 d'altitude. J'ai essayé de pas trop m'approcher. Départ dans une demi-heure, les amis. Voilà, départ dans une demi-heure. On partira 8 heures pétantes. Voilà, c'est bien, j'ai pas besoin de tout faire, de dire tout se fait maintenant. Voilà. Allez, j'ai plein de choses à vous raconter, mais on en parle plus tard. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2,
J'avais filmé un comparatif que je voulais faire entre les deux, avec les l'ancien et le nouveau. Je suis trop feignant, je l'ai pas monté. Je l'ai filmé, hein, avec split de caméra et tout. Mais voilà. Ouh. Je parle après là, je reviendrai après sur un autre truc parce que ça grimpe. Une heure et demie de course, donc il reste une heure pour la barrière horaire et 7 km de fait, donc encore 4 à faire en une heure. Ça devrait aller, faut pas traîner quand même, mais ça devrait aller. C'est en face, tout droit. Oh, les crêtes, c'est toujours sympa. Ah. Allez, on a fait la première, le premier 2500 mètres, et là on va monter un petit peu plus haut. Allez, 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 courage. Merci. Il a pas de pain, non ? Alors, à l'arrivée, c'est magnifique. Je pensais déjà y être, mais non. J'ai un peu de problème dans les descentes parce que voilà, j'ai fait une grosse chute la semaine dernière. Je me suis raflé de partout et j'ai encore mal au genou. Pour une fois, je ne me suis pas cassé les côtes, mais du coup, ça m'a refroidi un peu dans les descentes. Second ravito. Départ du deuxième ravito avec 5 minutes d'avance sur la barrière horaire. La prochaine, il va falloir quand même speeder parce que voilà, faut aller par là, tout là-haut.
et revenir du refuge en 1 heure et 5 minutes. Donc voilà, pour moi j'aurais passé la première barrière. C'est celle qui me stressait le plus, j'ai mal dormi à cause de ça. Deuxième difficulté, il y en a une troisième, mais elle est toute petite. Là, il y a encore pour 800 de dénivelé. Et la petite dernière, je crois que c'est 200. Tenir la caméra là, de la main droite, c'est dur. Parce qu'il y a 2 jours, non, 3 jours, oh, je sais plus. J'étais en tournage avec... un stabilisateur beaucoup plus lourd que ça pendant 4 heures. J'ai les bras en compote, le dos en compote, enfin. Voilà, j'ai trouvé mes excuses. Barrière horaire dépassée et elle était je sais pas où mais très très loin donc c'était pas possible de la faire celle-là. Moins beau hier, ah, aujourd'hui c'est tout découvert, c'est top. Allez, il n'y a plus que ça. J'ai pas le sommet. J'ai pas la vidéo du sommet. Fichier corrompu. J'étais en train de descendre, je filmais, et le compteur bougeait pas. Voilà, c'est la deuxième fois que ça me faisait sur le parcours, et bah, je suis pas content de la caméra, voilà, elle a bugué au mauvais moment. Voilà, donc fichier corrompu. Je pensais avoir au moins quelque chose, une data, et non, 0 kilooctets une fois arrivé sur... une fois récupéré les données. Super, hein? Bon, ben voilà, là ça se termine, la petite descente, et puis voilà, c'est la fin. Bonjour. Bon, ça va? Oh, oui. Bon, on va récupérer la puce et le. Je vais vous donner ça. Bon, trail de la combe bénite terminé en non finisher. Arrêt à la seconde barrière horaire. Voilà. Donc, et de beaucoup, hein, de 45 minutes. Allez, ben, bonne descente. Merci. Donc, du coup, vous l'avez entendu. Au lieu de repartir avec la voiture, je vais repartir en courant. Il y a un chemin qui va être très sympa, donc je vais. C'est un chemin alternatif, c'est pas exactement le parcours, donc mais ça va être tout aussi sympa. Donc on va refaire
Voilà, un petit bonus pour retourner à la ville de Granier. Voilà. Ah, donc ça va être sympa. On va prendre ce chemin-là. C'est le final le plus joli, le débrief le plus joli que j'ai fait. Voilà, c'est joli. Bon, je vais pouvoir vous faire un débrief plus en détail. Donc la barrière horaire, elle était vraiment, vraiment très dure. Je sais pas, moi j'étais pas en forme. Moi, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Donc voilà, c'était ça, plus tous les désagréments que j'ai eu. Il y a eu 9 ou 10 personnes qui n'ont pas réussi à passer la barrière horaire. Ce qui veut dire que sur 80, elle est bien mise. Elle est bien mise, la barrière horaire. C'est juste que les gens ici sont très très bons. Et voilà, moi je ne le suis pas. Bon, au début ça pique hein, quand même. Les 3 quarts du dénivelé, je ne sais plus combien, il y a 1700 de dénivelé sur les 15 premiers kilomètres. C'est chaud quand même. À bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.